Save tonight, it's break and dawn. Come tomorrow, tomorrow has begun. Save tonight, it's break and dawn. Come tomorrow, tomorrow has begun. Save tonight, it's break and dawn. Come tomorrow, tomorrow has begun. Save tonight, it's break and dawn. Come tomorrow, tomorrow. Save tonight, it's break and dawn. Come tomorrow, tomorrow has begun. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct live de la plage la plus magnifique du monde, la plage de La Marane. Plage sur laquelle vient de se dérouler le tournage du dernier clip du plus grand, du seigneur, de celui que l'on surnomme le transcendantal, transgénique, extraordinaire artiste Al Marcuccino. Son dernier clip vient de s'achever et il nous accorde cette interview exclusive. Ma première question sera simple et brève. Comment est née l'aventure de The Save Tonight, ce tube qui d'ores et déjà s'écoule à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde? Pour cette chanson-là, c'est une véritable histoire d'amour entre un homme et un autre homme. C'est l'histoire d'amour entre moi et Rock Brown. Rock Brown est venu me voir un jour à Londres et il m'a dit « Allez, viens, on va enregistrer un tube ». Et c'est comme ça qu'est né The Save Tonight. Ma deuxième question est vraiment la question que tout le monde se pose, car il se trouve qu'elle est sur toutes les lèvres, et ce, depuis plusieurs décennies. D'où vous vient ce sens extraordinaire du rythme qui fait que chacun de vos tubes devient un véritable single interplanétaire et un succès de renommée mondiale qui ne s'oubliera pas de sitôt? Je pense que ce qui fait ma différence et qui fait que j'ai vraiment un sens inné pour la chanson, c'est mon sens du rythme. Je pense que c'est ce qui me différencie de tous les autres chanteurs. Pourquoi j'ai ce sens du rythme? C'est parce que je suis né ici, sur cette île. Et qu'il y a ce sable de la Marane qui coule dans mes veines. Et je suis vraiment fier de mes racines et qui font qu'aujourd'hui, je suis vraiment une véritable star à l'international. Rock Brown, merci de nous accueillir, vous aussi, et de nous accorder ces quelques minutes exclusives. Je vais faire bref et aller directement à l'essentiel au sujet de votre rencontre avec Al Marcuccino. La question que tout le monde se pose également, qu'est-ce qui vous a le plus frappé lors de votre première rencontre et qui a fait que votre partenariat fut si brillant à travers le temps? Ah, ce qui m'a le plus impressionné, ce qui m'a le plus impressionné chez Al Marcuccino, c'est son sens du rythme, mais un sens du rythme extraordinaire que j'ai jamais vu quelque chose comme ça de ma vie. Hein. Je sais pas, ça défie les lois, il a le rythme infus, c'est magique. Question people, désormais, les magazines les plus férus et les plus connus de la planète ont dévoilé hier que votre relation avec Rock Brown était peut-être beaucoup plus intense et sulfureuse que ce que vous sous-entendiez au premier abord. Qu'en est-il réellement? Y a-t-il autre chose de plus entre vous qu'une relation purement artistique? Et si oui, pouvez-vous nous en dire davantage? Quoi? Non, mais vous avez craqué ou quoi? Moi, Rock Brown, des PD? Non, mais oh! C'est pas parce qu'il m'a p***é derrière les bois qu'on est tous, je suis des PD. Non, mais c'est quoi ces conneries? Non, mais oh! Ça suffit, je m'en vais!